Bonsoir à tous, je suis Henri Désiré Dezy, producteur associé du JT Diplomatique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 janvier 2023, l'occasion pour nous de présenter nos vœux du nouvel an à ceux qui nous sont fidèles. Et ce, depuis bientôt 3 ans. Nous allons ce soir, avec de nombreux invités, eh bien tout simplement nous réunir, nous rassembler pour partager ce moment d'exception, annoncer des événements importants, être informé de certaines choses qui tiendront en haleine la RDC, mais aussi le reste du monde durant cette année. Nous avons donc eu à cœur de nous retrouver ici dans le cadre du Mocha & More Lounge Bar pour réunir ces hommes et ces femmes de qualité qui ont décidé de nous accompagner durant cette soirée exceptionnelle 2023 que nous vous souhaitons bien évidemment bénéfique, et c'est l'occasion pour nous de vous présenter nos vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de réussite. Et là, je suis là pour vous parler d'un événement exceptionnel, mais vraiment. C'est la 2e édition de cet événement. Cet événement est un rendez-vous au Bakongo, dans la province du Congo central. Pourquoi? Parce que nous avons eu à accueillir la certification de la musique Komba en tant que patrimoine immatériel mondial. Donc ça veut dire que cette musique a eu un impact dans le monde, a eu à apporter son énergie, sa vibration exceptionnelle. Et ça s'est passé l'année passée. C'est pas ma première fois que j'ai l'occasion d'assister à cette soirée organisée par Henri. Et c'est chaque fois un plaisir de voir cette multitude d'acteurs importants dans le contexte du développement de la RDC. Oui, je suis le chef de la coopération à l'ambassade de Belgique. Cette année 2023 est une année importante. Pourquoi? Nous venons d'avoir la commission mixte belgo-congolaise le 19 décembre à Bruxelles, en présence de votre vice-premier ministre Lula et notre ministre de la coopération et développement Caroline Genet. C'était la première commission mixte pour la coopération et développement en 13 ans. Ça veut dire quelque chose. Il y a aussi parlé en fait de la Fédération des entreprises du Congo. Alors, la FEC, en l'occurrence. Et ce que je voulais dire sur la FEC très rapidement, c'est que beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de diaspora, je trouve ça ici. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le patronat congolais. Pluriel, qui est ce cercle d'affaires d'appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin en RDC pour un business solidaire et équitable, tel que Henri l'a si bien décrit. Et donc, ce qu'on a déjà accompli tout au long de l'année, on a fait beaucoup de choses. Merci infiniment, Eric. Merci. Je suis pris pour vos diplomatiques
Et surtout, surtout, n'hésitez pas à répondre présent à chaque fois qu'il y a ce genre d'invitation, parce que franchement, le plus important ici, c'est le connecting people, non seulement le connecting, et vous verrez qu'en se connectant, finalement, la MDC est dans tout petit village où finalement tout le monde se connaît. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur et bonne année à tous et à toutes. Merci. Et pour terminer, je souhaite encore une réappelée. Et j'espère que en juillet, août 2023, vous serez nombreux dans les différents gymnases et stades pour assister aux événements qui auront lieu ici à Kinshasa. Ce soir, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir des personnalités qui ont souhaité s'associer à cet événement pour pouvoir présenter leurs vœux du nouvel an. L'occasion pour eux, bien évidemment, de renouveler leur confiance au JT diplomatique, mais surtout de se présenter à un public nombreux qui est venu ce soir pour partager ce moment d'exception. Les milieux diplomatiques, le milieu des affaires, mais aussi la société civile et la diaspora, tous réunis ce soir pour ce moment très privilégié pour bien commencer l'année et puis surtout pour poser les jalons d'une année qui est placée sous le signe de la coopération mutuelle, profitable, mais surtout bénéfique pour la République démocratique du Congo.